Partage. Enrichissant. Motivant. C'est formidable de pouvoir se retrouver. Jouer à la vie, c'est en fait le reflet de ce qu'est le groupe, le collectif, l'envie d'entreprendre ensemble, la part aussi de l'individuel, la performance, la solidarité. C'est le reflet du groupe. C'est hyper intéressant, on découvre plein de nouveaux projets, on réapprend encore à s'approprier la raison d'être et c'est top. J'ai trouvé ça super. C'est une super opportunité de rencontrer du monde. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui, une nouvelle fois. Merci pour votre écoute et on tient également à remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Je suis impressionné par tous les projets. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'audace qui se dégage. Il y a des projets sur des catégories sécurité, environnement, compétitivité qui sont très intéressants. Franchement, moi, ce qui m'a le plus impressionné dans tout ce que j'ai vu ce matin, c'est l'énergie de nos jeunes collaborateurs. Et je trouve ça extraordinaire de voir le niveau de maturité et d'énergie. Ce qui me frappe, c'est que de plus en plus, année après année, je trouve que ces projets, ils sont à chaque fois beaucoup plus collaboratifs. Donc je vois des sociétés qui travaillent les unes avec les autres. Et c'est ce qui me rend vraiment très, très heureux. Passons maintenant donc à la remise des grands prix. Le Sieur Cepol. Micropilote de Terria. Aussi. Dis, raconte-moi une histoire, un client, Cepol. La pas venir. Cepol pour le dossier Cap ou pas Cap. On tient le bambou avec Cepol. Oléon avec ERTID. On va maintenant passer au prix coup de cœur du public. Une histoire barrée, un client par l'équipe Cepol. Thank you.